Bonjour les amis de Radio Camino et ravie de vous retrouver. On est en février, je suis au Portugal, un pays que j'adore. Et j'avais envie de vous faire part de mon coup de cœur pour le Camino portugais, le Camino historique, celui qui part de Porto et qui passe par Barcelos et Ponte de Lima en direction de Compostelle. Je voulais vous dire pourquoi. Eh bien, ce chemin, pour moi, il a vraiment beaucoup de sens. Et si vous vous posez la question, est-ce que je vais aller au Portugal et marcher sur la côte ou dans l'intérieur? Eh bien, dans cette vidéo, ce sera carrément parti pris pour ce chemin de l'intérieur et je vais vous expliquer pourquoi. Camino portugais, Camino portugais, ce n'est pas toujours très facile de s'y retrouver. Alors, juste un petit mot d'explication. En Espagne, on appelle Camino portugais le chemin qui part de la frontière portugaise à Tui et qui va jusque Saint-Jacques. C'est un chemin en Galice, ça ne parle pas du Portugal. Camino portugais, ça désigne un chemin au Portugal. Alors, on va partir de Porto pour simplifier. Vous avez en gros deux chemins. Le premier chemin, c'est celui en jaune qui passe par la côte. Et en orange, vous avez le Camino portugais central qui va passer par des villes assez célèbres comme Barcelos avec son coq et Ponte de Lima avec son pont romain. Vous avez également un Camino portugais dans l'intérieur, qui est en vert ici, et qui va passer par Chaves, c'est-à-dire beaucoup plus proche de la frontière entre le Portugal et l'Espagne. J'en parle pas cette fois-ci. Je vais aujourd'hui vous parler des deux versions de chemin au départ de Porto, soit par la côte, soit par l'intérieur. Tout d'abord, d'un point de vue historique, parce que pour moi c'est important de marcher sur un chemin ancien, un chemin qui a déjà été parcouru par beaucoup de pèlerins. Il est clair que le Camino Central, c'est un chemin ultra historique, puisque dans une grande partie nord de ce chemin, vous allez être sur des voies romaines, donc des chemins qui ont plus de 2000 ans. Et puis Ponte de Lima, ville romaine avec un pont qui a été construit sur le Rio Lima. Barcelos avec son coq et la légende qui est exactement la même que Santo Domingo de la Calçada. De nombreuses chapelles, alors pas tellement dédiées à Saint-Jacques, je dois bien le dire, font que le Camino Central est certainement le plus historique. En fait, pour tout à fait clair, le Camino de la Costa a été inventé par des hôtels et des restaurateurs de la côte qui se sont dit c'est quand même dommage de perdre toute cette manne financière représentée par les Tourigrino, on va le dire. Et donc, ils ont carrément créé ce chemin de toutes pièces, mais vous n'y trouverez absolument aucune histoire en lien avec le pèlerinage, autant que ce soit dit dès le départ. J'ai pu parcourir les deux chemins, donc par la côte et le chemin central, il y a quelques années avec ma fille Florine. On était en février à chaque fois. Bon, la météo, c'est un peu un coup de chance. Soit vous avez une semaine de pluie, soit vous avez une semaine de soleil. Et parfois, c'est entre les deux. Mais c'est quand même un gros avantage, c'est que ces deux chemins peuvent être parcourus en toute saison. Moi, j'ai quand même une petite préférence pour l'intérieur en hiver parce que bon, des stations balnéaires désertes, c'est quand même un peu déprimant. Et puis, il n'y a pas que ça qui me fait préférer l'intérieur, vous allez voir tout de suite. Pour beaucoup de pèlerins, c'est important de savoir s'il y aura beaucoup de goudron ou de chemins bétonnés. Eh bien, sachez que la côte portugaise entre Porto et l'Espagne, c'est quand même une région hyper dense, hyper touristique. D'ailleurs, il suffit de regarder par le hublot de l'avion quand vous allez atterrir à Porto pour vous en rendre compte. Et donc, vous serez principalement sur de la route, de la digue, des pistes cyclables bétonnées ou des petites routes pavées. N'espérez pas, sur ce tronçon-là, avoir plus que 1 ou 2 km de chemin par jour. Et encore, je suis très optimiste. Sur le Camino Central, vous aurez plus de chemin. Pas que, parce qu'on va être aussi dans une zone qui est quand même assez densément construite. C'est une zone avec beaucoup de petits villages, donc des petites routes, mais très désertes. Vous serez quand même beaucoup plus dans le silence et dans la solitude sur le Camino Central. Et vous avez également plus de relief, alors sans grande difficulté, puisque la plus haute montagne où je suis
est, je pense, à environ 500 mètres, mais vous avez des paysages qui sont nettement plus agréables au niveau des dénivelés. Vous avez des vallées, vous avez des champs en terrasse, vous avez des montagnes à l'horizon, vous avez des forêts d'eucalyptus, pas beaucoup d'arbres, hein, on est quand même au Portugal, mais il y a quand même de quoi se sentir en pleine nature malgré tout. Et puis question silence et solitude, eh bien, il faut savoir que ce sont des chemins qui sont donc de plus en plus désertés au profit du chemin de la côte. Hier, alors que je marche à rebrousse-poil, je n'ai croisé que 3 pèlerins sur toute la journée. C'est donc le Camino Central, un chemin plus propice certainement à l'introspection et au silence. Sur ces deux chemins, vous aurez pléthore d'hébergements, de petits bars, de restaurants. Donc ça ne doit pas être un critère de choix par rapport à l'un ou l'autre chemin. Le Portugal, c'est quand même un pays extrêmement agréable s'il faut s'arrêter tous les 15 km pour dormir ou tous les 5 km pour boire un café. Ce sera toujours possible, quel que soit le chemin que vous avez choisi. Et puis moi, ce qui me plaît vraiment beaucoup, beaucoup sur ce Camino Central, c'est la présence de l'eau. Alors peut-être qu'en plein été, c'est moins visible, mais à cette saison hivernale, eh bien, il y a partout des ruisseaux, des torrents, des rivières, des cascades, des lavoirs, des fontaines qui coulent. Et voilà, si vous aimez cette énergie de l'eau, je pense qu'il n'y a absolument aucun doute là-dessus, vous êtes sur le bon chemin. C'est un chemin qui va vous ressourcer à tous les sens du terme. Et je ne vous cache pas que j'ai même pris une petite baignade hier et c'était bien agréable, un vrai gla-gla-cousi comme j'aime. Si vous êtes comme moi, amateur de bivouac, eh bien, le Camino Central a des possibilités de bivouaquer entre les villages ou près de petites chapelles ou dans des petites aires prévues pour le repos des pèlerins. Comme toujours, je vous déconseille formellement de bivouaquer sur les plages et dans les zones balnéaires et touristiques. En tout cas, vous risquez certainement d'être plus embêté là-bas que sur le Camino Central. Oui, mais moi, je veux voir l'océan. Alors ça, c'est ce que j'entends le plus souvent parmi ceux qui veulent suivre le Camino de la Costa. Bon, première chose, il faut savoir que vous n'allez pas être tout le temps au bord de l'océan. Vous allez être plutôt dans des petits villages qui sont côtiers, voire même à 2-3 km de la côte. Donc, vous ne verrez pas l'océan tout le temps, sauf si vous changez et que vous prenez la piste cyclable, qui est également l'Eurovélo, qui longe, lui, un peu plus près la côte. Bon, vous allez marcher sur une piste cyclable pendant une semaine. Donc, ça, c'est dit. Moi, si j'étais vous, j'irais plutôt voir l'océan du côté de Fisterra et Muxia et m'y poser après mon chemin. Si vous êtes un amateur de plage et que vous voulez par exemple marcher le matin et aller vous dorer la pilule à la plage l'après-midi, alors oui, certes, c'est un bon chemin. Si vous vous retrouvez au Portugal en été, ce qui entre nous est une très mauvaise saison, parce que c'est quand même vraiment beaucoup trop chaud ici en été, eh bien alors la côte ce sera le moins pire puisque vous aurez un petit peu d'air et vous pourrez éventuellement vous baigner dans l'océan si vous aimez ça. Mais à part ces deux cas-là, moi, je ne vous conseille pas de trouver dans ce chemin un ressourcement auprès de l'océan. À ce moment-là, il y a peut-être des endroits beaucoup plus adaptés comme la Rota Vicentina. Ce que je vais vous recommander pour quand même aller voir l'océan avant de rentrer dans les terres, c'est au moment de quitter Porto. À la cathédrale de Porto, ne suivez pas le chemin central balisé, mais là vous allez descendre au bord du Douro et vous allez longer le Douro jusqu'à son embouchure, c'est-à-dire jusque Matosinhos. Et là vous allez avoir l'océan face à vous. Vous allez pouvoir suivre la côte sur une demi-étape jusqu'à Vila do Conde, qui peut être un chouette endroit pour faire une première halte. Et puis de là, vous allez reprendre une variante qui va vous ramener vers l'intérieur, vers le Camino Central, à l'ancien monastère de San Pedro do Ratex, qui est d'ailleurs aussi un très bel accueil. Comme ça, vous aurez eu votre petit morceau d'océan, vous aurez évité toute la zone industrielle et la zone de l'aéroport au nord de Porto, qui est franchement pas très intéressante. Et après, eh bien, vous serez de nouveau dans le silence et la solitude. Voilà, je vous souhaite de beaux préparatifs. J'espère que cette vidéo vous intéressera. N'hésitez pas à laisser des commentaires, même s'ils sont tout à fait contraires à ce que je viens de dire. L'idée, c'est d'ouvrir le débat. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !